Contrairement aux assistances précédentes où tous les kits étaient destinés aux ménages, cette année, le gouvernement en a décidé autrement. Au regard des dégâts causés par ces inondations, aussi bien sur les ménages que sur les structures sociales de base de l'État, l'assistance est désormais répartie en deux volets. Il y a d'un côté l'assistance communautaire, constituée des kits communautaires, notamment des kits de reconstruction et réhabilitation des infrastructures sociales de base endommagées par les inondations. Il y a des kits pharmaceutiques pour des médicaments essentiels de première urgence. À côté de cette assistance communautaire, il y a l'assistance aux ménages, essentiellement constituée des vivres, mais aussi des non-vivres. Malgré cela, cette assistance aujourd'hui est accueillie de manière mitigée selon les localités. Si dans le district d'Ampouillard, dans le département des Plateaux, l'assistance a été accueillie sans requête supplémentaire, dans le district de Makotipoko par contre, ce n'est pas le cas. Dans cette localité régulièrement affectée par les inondations, la présence de la mission humanitaire a été l'occasion pour ces populations de réitérer leur doléance en vue d'une solution durable. Nous remercions d'abord le gouvernement de la République pour avoir bien pensé en nous, en nous octroyant les biens, les denrées. C'est bien beau, mais notre préoccupation cardinale, c'est d'abord le dragage de Makotipoko. Si on drague Makotipoko, nous serons soulagés. Même réaction pour les populations du district de Moussaka dans la cuvette. Après plusieurs campagnes de remblayage de 2006 à 2015, Moussaka est toujours en proie aux inondations. Quand vous amenez les vivres, mais nous, habitants de Moussaka, on a besoin d'un remblayement correct et d'un système de canalisation des sorties d'eau. Le gouvernement, grâce à l'appui de ses partenaires, a pu mobiliser cette année des ressources nécessaires pour répondre aux besoins immédiats des ménages sinistrés et à rechercher des solutions durables à ce phénomène.